Je m'appelle Fanny Pickweigel, je suis née à Vienne en 1894 dans une famille de la bourgeoisie juive. J'ai appris le piano très jeune. À 15 ans, je savais déjà que la musique était ma raison d'être. J'ai étudié la composition auprès de Carl Weigel, que j'ai épousé en 1921. En 1938, nous avons fui le nazisme et quitté l'Autriche pour les États-Unis. Reconstruire notre vie en Amérique a été très difficile, mais j'ai continué à écrire, notamment des pièces pour chœur et de la musique sacrée. C'est aussi aux États-Unis que je me suis découvert une nouvelle passion, la musicothérapie. Pionnière dans ce domaine, mon travail au New York Medical College m'a valu une reconnaissance internationale. J'ai composé près de 200 œuvres au total, dont certaines reflètent mon engagement politique. Très peu de femmes ont obtenu la reconnaissance qu'elles méritent dans la sphère de la composition. Cela a pris du temps et cela prendra encore plus de temps pour nous. Song from the eye.